Bonjour Frère Maxemio, comment nous est? C'est GFL Cuisine Créole. Jean Fédor lundi, votre chef à la maison qui rentre la caille. Nous moi dis nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille que nous continuons à faire. Je dis à la, moi venir avec une dernière invention de l'année pour nous qui va clôturer 2020. C'est un gâteau de crémasse. Oui, sortant de assis sali, sortez li assis ça, gâteau de crémasse. Nous allons commencer. Pour moi faire gâteau de crémasse ça, moi besoin 6 œufs entiers. Ça c'est le même qu'à recette de base là. On met là un malaxeur au café à la main aussi. Sauf que à la main, la prend plus de temps. Moi mettez une tasse de sucre qu'on a là, moi va brasser œufs avec sucre là pour le moment. Après une quinzaine de minutes, nous regardons les œufs avec le sucre qui a commencé à monter. Quand il y a là, je viens avec une tasse d'huile. Je vais le mettre là-dedans graduellement. Après une autre quinzaine de minutes encore, je descends. Je vais vérifier si tout le sucre là commence à fin fondre. Quand il y a là, je réalise que le sucre est fin fondre au complet. Pour la recette de base, je vais gagner 2 tasses de farine, 1 tasse de crémasse. Là, on met la crémasse qui est dans le dos, crémasse au fer. Moi-même là, c'est la crémasse de menthe. Là. C'est lui même que je vais utiliser là pour moi faire. Je vais commencer avec la farine. Là. Je vais mettre la moitié. Je vais commencer à brasser tranquillement. Une fois qu'on a là, je vais mettre la moitié de crème à sauce là-dedans. Je vais recommencer à brasser encore. On a la reste moitié farine que tu as mettre trois quarts là-dedans, m'a quitté un quart pour me mettre pour d'élévation là-dedans. Mais petit quart qui restait, moi pour mettre 5 petites cuillères de poudre d'élévation là-dedans. Qu'on a moi continuer brasser là encore. Moi mettez une pincée sel là-dedans. Moi mettez une petite cuillère de cannelle là-dedans. Moi mettez de deuxième couche de crémasse là. Moi dis non, c'est extrêmement bon. Quand qu'on va le manger, on va goûter crémasse là-dedans. Moi venir avec dernière couche farine là qui gagne 5 petites cuillères de poudre d'élévation là-dedans, moi vider là-dedans. Je vais une petite cuillère de zeste de citron, je vais mettre là-dedans. Qu'on a le brasser. En dernier coup de farine, après 3 minutes la brasser, je vais baisser les qu'on a le brasser tout en bas parce que ça se peut que la farine soit arrêtée en bas. La farine est en ce côté-là, nous. Mais en bas, il est caché en bas. Tout. Une fois que je bien nettoyé, je vais monter là, qu'on est là, je viens avec dernier ingrédient, cuillère, d'essence, vanille, je vais déposer là-dedans. Et qu'on est là, je vais quitter le brasser encore pendant au moins 5 minutes pour que la pâte soit bien lâchée, pour que la crème soit bien évaporée là-dedans. C'est fait? Quand on a mis un fin fait pas de gâteau, moi c'est pas fait là. Quand on a mis fini mes pâtes à gâteau là, il n'y a pas de farine qui est cachée en bas. Quand on a mis mettre dans le plateau, un petit plateau ça moi fait là, moi juste graisser li et fariner li. Plus moi un petit sateau, mettre un petit parti là-dedans et puis mettre ça dans l'autre là, ok? Mettez la moitié là-dedans. Et voilà, mais yo. Quand y a là, moi mettez four moi préchauffé à 335. Une fois qu'elle finit préchauffée à 335, on a mal mettez là dans le four
pour 30 minutes. Et puis après, la sorti la parfait, la excellent, et puis n'a quitté le refroidi. Nous allons en bagaille. Avant qu'il va mettre petit gâteau à cuire, moi prends un petit temps pour me saluer trois super membres de JFL Cuisine Créole. C'est Marie Matsuli, Marie MC et Teddy Clermont. Si toutefois ou même tout à l'heure un super membre de JFL, ou venez juste abonner pour 2,99$ ou bien 3,99$ ou bien 4,99$. Comme ça, on va encourager JFL Cuisine Créole. Moi dis nous merci d'avance pour tout le monde qui abonné sur la chaîne pour devenir un super membre de JFL Cuisine Créole. Qu'on a là, nous allons mettre le cuit. On est pour 30 minutes, c'est parfait. On a ma peine juste passer son petit tour en dedans pour moi. C'est parfait. Les passons petit mouillé, c'est correct. Ma fin passe le moins correct, moi juste un baisser, pousser ça comme ça à droite et à gauche. Qu'on a là, moi les cuit. C'est parfait. Regardez ça. C'est excellent. Mais l'autre là, c'est la même chose. Quand on a un gâteau à finir, petit genre refroidi là, qu'on a la ma peine juste couper pour nous. Ouais. C'est bon là, c'est très léger, nous voilà. C'est léger, léger, léger là. La bonne goûter. C'est très, très, très bon. Moi, prends goût crème à ça, c'est excellent, c'est parfait. Ou même, moi, m'en dois juste à l'essayer. C'est un succès sur toute la ligne. Pas oublier partager vidéo à gâteau. Un gâteau de crémasse, c'est bon. Lorsque vous goûtez, vous sentez la crémasse exploser dans la bouche. Tout petit goût de cannelle, muscade, tout, vous explosez dans la bouche. Vous n'avez pas rien qui manque. Pas oublier partager vidéo. Depuis nous avons partagé vidéo, nous-mêmes qui faisons abonner, juste activer la cloche là. Le qui publie ou à connaître. C'est la dernière invention pour 2021. Moi, dis nous un grand merci, un grand, grand, grand merci pour fidélité. Nous, c'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est entré la canne. Merci, au revoir.